Jean-Henri Tamen. Un rallye qui est la suite du premier rallye de Saint-Pétersbourg-Monaco qui a eu lieu en 1913, qui est parti donc de Saint-Pétersbourg, et qui a été gagné par un équipage russe, M. Nangel. Et donc c'est le premier rallye de Monte Carlo en fait. Et le vainqueur, donc M. Nangel, a fait Saint-Pétersbourg-Monaco en 154 heures. On a fait une épreuve de 16 heures non-stop, mais on est passé par la Belgique, par l'Hollande, par Paris. Il y a 13 voitures qui sont parties avec 7 nationalités différentes. C'est une Silverware de 53, James Young. Il y a eu 6 de fait au monde. C'est un plaisir quand on aime ce qu'on fait. Donc, moi, c'est une passion, comme tous ceux qui sont ici, qui sont des collectionneurs de voitures. Et là, on leur donne une nouvelle vie, puisqu'en fait, on leur donne une utilité. Il y a 7 voitures qui sont parties dans ce rallye comme celle-ci, qui était le châssis de 222. Celle-ci donc, elle a presque 100 ans. Elle est aussi partie, elle a aussi fait Saint-Pétersbourg, Monaco, Monaco, Saint-Pétersbourg, sans aucun problème, japonais. Justement pour montrer que l'Europe, avec la Russie, va de la mer du Japon à l'Atlantique. Donc c'est une grande Europe, et c'est le but en fait, c'est que l'Europe appartienne à l'Eurasie et vice-versa, et qu'on ait un continent qui soit uni, sans guerre, avec une zone économique favorable, sans embargo, pour la prospérité commune de notre continent. French Riviera, Côte d'Azur. I'm so happy and lucky that Tenens TV is here. This is a rally for peace and love, and I'm looking forward to meet everybody. Get to meet you. And we're here with Tenens TV. Would you like to say hi to Tenens TV, Monaco, France? Mm-hmm. Hi, Tenens TV. We are together. We belong together foundation. Yeah. I would love to hear a little bit more about it. Belong together. That are you. Congratulations, and congratulations for the event. Merci. I love the cars. Yeah. Mariko. Keita. Where are you from? I came from Istanbul. I came from London. I'm from London, but originally from Japan. From Japan. Jindoshie no amitie no peace rally, peace and then culture no rally no katsumari. So desu ne. Heiwa to bunka no kineri de. So desu ne. Maimashita. Charity and then getting together. We came here from London and then Istanbul for this peace and then culture rally. The car is 1922 made. 日本の皆さん、私たちは、ピースラリー、モナコからロシアまでの距離を3500キロ、これらの車で走ってきました。で、僕たちのピースラリーの趣旨は、モナコ、それから、ヨーロッパとユーラシア大陸、ロシア、日本をつなぐそういった平和でつないでいく、そういった趣旨でこれらのクラシックカーで、走ってきました。で2020年には東京オリンピックですね、東京までつなぎたいという思いで、現在はるか、 My name is Haruka. What is your name? マミいるんでしょうか、北海道にいるんでしょうか、今どこにいるんでしょうか。おーらら、何ですか、難しかったですか、それともこうパッションが溢れていたものでしたか。ベリベリファン、楽しかったし、It was very fun. 違います。モナコで遊んでました。He was in Monaco. He was in Monaco waiting for his wife. ここで奥さんを待たれていたんですか。はい。Yes. And was she calling you every night? 教えてくれてたんですか。メッセンジャー、Facebook メッセンジャー。メッセンジャー。She sent a messenger. He has the most beautiful wife. Yes.でもすごく美しい奥様が、一番美しい奥様がいます。And she has the most beautiful husband.
He was really good leader, and then I enjoyed a lot driving with him. So you were driving or co-pilot? I did both. We went to St. Petersburg and then joined the economic forum. That was very, very interesting and then really nice time. What is your name? My name is Ik. Where are you from? Well, I'm from Bangkok, Thailand. What is that very special car that I can see behind? It's a Morgan, right? Yes, it's Morgan. Is it yours? Yes, as Mr. Sean, the owner, is that the one, the gentleman. Mm-hmm. I drove this one from Monaco to St. Petersburg. Wow. And back to Monaco. Yes, we display this car as a kind of representative of the peace and culture in front of the economic forum in St. Petersburg. Every morning we take care of it, check the water, engine oil, everything. And then in the evening we cover them. Mm-hmm. It's like a... Like a baby. Like a baby. My children now, they don't want to leave Japan. And those Japanese people, they want to come here. I don't know what's wrong. 84 years in England and around the world, 4,000 members. And now we have an official branch for this World Club in Monaco. Comment vous appelez-vous? Non. Michel Soyer, tous les matins ça m'arrive et je suis venu ici pour retrouver ma grande amie Sylvana Lorenz avec qui on a fait d'énormes fêtes à Paris avec M. Cardin. Des balles magnifiques. Et Jean-Bernard qui est le roi des jolies Rolls. Voilà, il est très grand, je l'en comme il rentre dans cette belle voiture. Bentley. Bah, c'est une charité en fait pour une association caritative qui est russe, qui s'appelle We Belong Together et qui a initialisé, qui est partie du Forum économique de Saint-Pétersbourg où sont venus tous nos chefs d'État, même notre président français d'ailleurs. Et donc, ils ont fait toute la route, donc ce qui est quand même au moins trois semaines de chemin, pour semer la bonne parole. Et puis, ça se termine à Monaco. Donc, ils viennent d'arriver, ils sont tous un peu fatigués, mais toujours très élégants. Et c'est la seconde édition. Et ce soir, donc, la princesse Olga Romanov, qui est donc la chef de famille maintenant depuis le décès de Dimitri, la chef de famille des Romanov, remet des trophées tout à l'heure pour célébrer. Et on essaye, comme Monaco a toujours été un pays un petit peu russe également, hein, beaucoup de Russes à Monaco comme sur la côte, bien, je crois qu'ils ne vont pas être dépaysés, et nous non plus. Voilà. C'était formidable l'année dernière quand ils ont lancé pour la première fois ce Peace Rally, qui allait au départ, il devait aller jusqu'à Moscou, puis finalement jusqu'à Saint-Pétersbourg pour rejoindre le Forum économique russe. Ce d'autant plus que ce rallye va aller vers Tokyo pour les Jeux Olympiques. Ah bah mais avec grand plaisir l'année prochaine, avec grand plaisir. Pilote ou copilote? Alors copilote, hein, c'est moins dangereux, n'est-ce pas? Une femme au volant, mort au tournant, oui. Ouais. Oui, oui. Меня зовут Сергей. Как вас зовут? Елена. Сегодня мы находимся на прекрасной вилле Ротшильд. Это прекрасное место, чтобы отпраздновать финал ралли Санкт-Петербург, Париж, Монако. Это мирный пробег, что людей объединяет очень много всего, несмотря на все деликатные ситуации в мире. Красота и общие интересы. Вот. И в итоге мы оказались все вместе здесь. Мы делаем красоту, мы делаем, декорируем, реставрируем, ремонтируем. Да. Реновация и декорация интерьера. Depuis 10 ans, je pense, même plus. Vous parlez mieux français que moi le russe, alors. Les amateurs de la beauté, des belles choses, on comprend. Et c'est pour ça, si notre entreprise fait quelque chose, on fait vraiment avec du goût. Ouais. Et on comprend dans la beauté. Et ça, c'est, je crois, le point fort aussi de notre entreprise. Avec passion. Beautiful action with our car.
East, the relations show that Europe is a big land and that we can go with old car to Russia very easily, and that there is the relations and the feeling that we have with Russia are very close. We share the same culture, we share the same history. クラブとこのピースラリーは、パートナーシップを結んで、2020年、日本で、オリンピックがある年ですけれども、それに向けて、先ほどジョンさんが言いましたピース&カルチャー、このテーマをもとに、世界に広げていきたいという思いで、一緒に活動しています。エクスプローラーズクラブというのは、一人では見られない景色をみんなで見ようということをテーマに、一人一人が人生の冒険をしていこうというテーマで、日々いろんなことにチャレンジをしている、そういう集まりです。 Olga Romanov. Where are you from, Olga Romanov? Kent.Kent. England. Oh my God, such a Russian name from Kent. How come? My father married my mother who came from Kent. I mean, she was Swedish, Finnish, Scottish. St. Petersburg? Yes, I love St. Petersburg. So what? Yuri at the men. Yuri, are you from Russia? No, my name is like a Russian, but I'm not Russian. You are from Japanese. I organized a ball party in Tokyo this year. I invited her.And that is the story. Yes. Did you drive the cars? This time I didn't try, but you know the organizer is my husband. So. Évidemment, moi j'ai fait un livre avec lui, La cuisine russe à la sauce française, avec les conseils de Gérard Depardieu. Я приехала сегодня на рольсе, который принадлежал Джону Кеннеди. Сегодняшний вечер немного похож на русские гала. Это очень приятно. И присутствие княгини Ольги Романовой тоже придает русский оттенок этому вечеру на Вилле Ротшильд. Sure. 皆さんこんにちは。ラチザフレと申します。よろしくお願いいたします。Probably since I was a little girl, but it really started on a bigger scale for about 18 years. I live in Asia, so I like to bridge cultures.I mix, like, I had a collection inspired by Japanese Zen temples, like Zen garden from Japanese temples. Like this one, it's actually a tiara. Happy to know it. And it's a tiara that can be actually detached and become a choker.